Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs de partout dans le monde. Je suis Yaya Onka et ce soir j'ai le plaisir et l'honneur d'être avec vous à travers la Dire TV pour vous présenter le grand show de Yaya Onka. Ce soir je ne suis pas seul, je suis accompagné des artistes, des musiciens, des culturels, des littéraires pour passer un très bon moment. D'ailleurs nous avons jugé bon de mettre le terme de ce premier numéro sur l'immigration. L'immigration, pourquoi nous quittons chez nous pour aller ailleurs? Qu'est-ce que ailleurs a de mieux que chez nous? Et pour faire asseoir votre esprit, je vais vous servir une chanson de mon album à venir. Des soleils pressants, cocu déchu encore vivant, je prends l'envol sans perdre de temps. Je chante la galère se masturbant, je viens l'artiste ou le ruminant, ces enfoirés m'imitent autant. Je fais que l'amour à tout passant, je chante le frère migrant et tous ces gens qui très souvent ne gagnent rien mais sont confiants, des artisans, des survivants. Mato, mato, yangamo rigami, leda, leda. J'espère qu'on vit nos vies. Mato, mato, nyangamo rigami, leta, leta. J'espère qu'on vit nos vies. Lozingo netivita, neti, netivita. Lozingo netivita, neti, netivita. Lozingo netivita, neti, netivita. Lozingo netivita, neti, netivita. Moi stupide et sa voiture une tuerie. J'entends parler de vos voyages, vos moments toujours sympas. Moi je crois qu'on s'aime pas après la haine, c'est pas le mariage. Et ta copine célibataire, c'est l'enfant aux grosses fesses que t'as réussi à m'éloigner. Est-elle mariée ou s'est défilée? Bientôt 3 mois, pas de loyer. Comme une tomate, je vais m'écraser dans le canapé. Nazem C, je suis fatigué, je déchire mon CV. Mato, mato, linda, linda. Mato, mato, young man, rigami. J'espère qu'on vit nos vies. Mato, mato, young man, rigami. J'espère qu'on vit nos vies. Mesdames et messieurs, c'était l'entrée en matière pour asseoir
vos esprits. Alors, comme je l'ai dit au début, c'est un grand voyage sous les tropiques. C'est quitter ici pour aller ailleurs et c'est surtout venir d'ailleurs pour nous rejoindre ici. C'est un moment de communion, de communication, de connectivité. Et c'est pour cela que nous avons fait en sorte de ne pas être tout seul. Ah, non, on n'est pas seul. Deux, trois. Bon, de ne pas être peu. On n'est pas aussi peu, hein. Bon, de ne pas être assez. C'est pour cela, ce soir ou ce matin, ça dépend d'où vous êtes, d'où vous nous suivez, nous avons voulu inviter sur ce plateau un artiste qui a la taille qu'il faut, qui a le poids qu'il faut, qui a la tête qu'il faut, et surtout qui a les mots qu'il faut. Et c'est sur ces mots que nous allons, grâce à cette discipline qu'on appelle, cette discipline artistique qu'on appelle le slam, essayer ensemble de partager un autre moment de conviviabilité. Musique. Il y a une question qui revient à chaque fois. Pourquoi nous partons? Pourtant, notre Congo, il est beau. Notre Congo, il est grand. Notre Congo, il est généreux. Notre Congo, il est immense. Notre Congo, il est riche. Notre Sénégal, il est beau. Notre Bénin, il est beau. Notre Cap-Vert, il est beau. Et nous-mêmes, nous sommes très beaux. Mais pourquoi nous partons? Est-ce un manque d'humanité? Est-ce un manque de générosité? Ou simplement la situation qui est trop lourde à porter? Question. Et sur ce, je vous invite à vous asseoir, à réfléchir, à voyager, à migrer avec nous à travers cette chanson que j'ai nommée « La traversée ». Je me suis réveillé avant le coucher du soleil, avant les larmes de ma mère. Je m'arrête un court instant, je me retourne et regarde la maison qui dort coincée derrière les collines. Les flammes émises par la lampe tempête dessinent des ombres formes aux quatre coins de la pièce. Je me souviens m'être promis la veille ne pas le faire. J'imagine la douleur des miens, la solitude de mon chien, mon absence, morosité d'une cité endommagée. Mais pour moi c'était prévu, je partirai faire fortune. Plus grand chose ne ressemble par ici, la nuit on s'ennuie, le jour on s'ennuie. La plupart des choses apprises à l'école s'avèrent être fausses, mais bref, mes rêves et moi esquivions le cauchemar. J'ai mis en sac mes rêves avant de faire le mur. Me libérer de la rouille, faudra que je me grouille d'ailleurs. L'avenir en turbulence, matin au quai. La poussière au désert, le train sur les zincs, le gros zinc là où ça caille. Bidaloka où la muerte au rien, à la croisée des chemins, j'ai laissé tourner le moteur. Cheveux au vent, l'esprit baladeur, le goût de la mer amère, coincé dans ma gorge, l'odeur de l'incertitude, le grincement de la rage. Mais partir, partir quand même. Oui, partir, partir quand même. Mais
bateau, cette pirogue dirigée par Mister le noble Congo. Et à côté, nous avons Monsieur Fredo qui nous fredonne sa musique triste parce que nous traversons des flammes. Et l'amour s'enflamme. Et le slam aussi. Le slam aussi parle. Et pour ne pas être sans Dieu, on a eu le cardinal Cardi Woumela pour l'éternité, pour des heures, pour maintenant et pour la suite. Mais quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui se passera, on finit toujours par dire au revoir ma chérie. 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 Ils sont nombreux, ce sont des artistes, ce sont des écrivains, ce sont des étudiants qui quittent cette terre pour ailleurs, pour aller chercher un pain, pour aller chercher du repos, ou simplement pour aller retrouver la sécurité, chose primordiale pour tout être humain. Et notre Congo, il est beau, je ne cesserai de le dire. Et sa beauté aussi se transmet, ou transpire, hein, transcende avec ces jeunes artistes qui sont en train de venir, cette génération qui nous apprend quelque chose. On est grand, on n'est pas mature peut-être. On mûrit et on vieillit avec le temps, mais il y a ces jeunes qui viennent avec un message d'humanité, de sagesse, de beauté assez poétique. C'est pour cela, ce soir, j'ai l'occasion, à travers cette émission, de recevoir l'un de ces jeunes qui va vous chanter son Congo natal, son Congo de son âme et son Congo de son art. S'il vous plaît, veuillez recevoir depuis chez vous, Monsieur Cardi. Mesdames et messieurs, bonsoir, tout dépend de votre positionnement ici sous les tropiques. Alors un jour, un blanc m'a demandé au crépuscule de mon art d'où est-ce que je venais. Aisément, je lui ai répondu, je suis un fier fils de cette ville phénix. Je chante cette ville qui m'enchante et qui enlève à mes mots le mot peine jusqu'au suffixe. Brazzaville, toi la ville qui m'inspire. Toi qui, à travers tes poumons, je respire. J'expire sans cesse le souple souffle sucré du patriotisme pour ma ville exquise. Brazza la belle, Brazza la verte. Le garde-linge de ton histoire fournit à nos êtres les plus belles vestes. Brazza la belle, Brazza la verte. Sur mon cou ébène, je porte l'espoir. L'espoir de voir tes filles fils fixer le courage. Avancer vers le progrès avec tout rage, dévisser des vis qui divisent nos vies, nos devises, nos visages. Fini le temps de se plaindre. Peintre de ton avenir, prends le pinceau de l'engagement et mets-toi à la page. Quand on sait bien qui on est, on peut devenir ce qu'on veut. Ce qu'on veut bien, c'est être qui on est. Et quand on sait bien où on est né, on peut devenir ce qu'on veut. Ce qu'on veut bien, c'est rester où on est. Brazzaville, ma ville natale, moi ton fils, je te soutiens. Sous ta terre, hésite. Mon cordon ombilical, moi ton fils, je m'en souviens. Sans toi, Brazza, l'âme de mon cœur est une âme veuve. Toi que la flore a épousé, par amour, tu as supporté et t'as supporté le fleuve. Le temps passera, mais Brazzaville restera. Brazza des grands, Brazza des éléphants. Brazza qui, dans l'ordre, ne dit pas, monsieur, quelle est ta nationalité? D'ailleurs, vous qui venez d'ailleurs, venez à ma table. Manger le beau plat de l'hospitalité. Merci mesdames et messieurs, c'était Cardi Hello. Je remercie Yaya Onka pour cette belle invitation sur les tropiques. Merci beaucoup Yaya. Merci et je continue ton remerciement en remerciant la Dire TV pour l'initiative et tous les artistes qui ont répondu présents aujourd'hui là. Alors je rappelle que nous sommes à Brazzaville, pays de la culture, je dirais même cœur de la culture. Et nous allons faire un voyage un peu plus loin, nous allons partir dans un pays qu'on appelle Haïti, parce que sous les tropiques, c'est aussi les Haïti et les Antilles, pardon, excusez-moi, les Antilles, et nous allons parler de Haïti, un pays, un peuple migrant, rempli d'histoire. Et mesdames et messieurs, si vous ne le saviez pas, nous avons un lien très étroit
très soudé avec l'Haïti, parce que la plupart de ceux qui ont construit ce pays-là, ce sont des nègres qui sont venus du royaume Congo et d'autres qui sont venus du royaume Daromé et d'autres qui sont venus du royaume Nigeria, ceux-là même qu'on appelle les Igbo. Et les Haïti, Haïti est un peuple qui nous parle beaucoup. C'est un peuple qui nous donne l'exemple en ce qui concerne la révolution, en ce qui concerne le réveil négro-africain. Ce peuple s'est levé, constitué principalement des Noirs venus d'un peu partout. Et grâce à cette culture occulte qu'on appelle le vaudon, ce peuple, un jour, s'est levé et a dit « Abba » à l'agression psychologique du pouvoir impérialiste. Et ce peuple s'est battu à travers sa musique, à travers sa force, à travers sa présence pour avoir la liberté. Et c'est un exemple pour toute l'humanité. Et mesdames et messieurs, nous allons dire merci aux Haïtiens parce qu'ils sont restés forts des années plus tard. Actuellement, nous connaissons un peu l'état de Haïti. On sait que ce n'est pas la plus grande forme. Et nous chantons. Tout ce que nous pouvons donner à Haïti, ce sont nos larmes en couleur, nos larmes en beauté, ce sont nos paroles, ce sont nos vers, ce sont nos poésies. Et c'est pour cela, sans plus tarder, nous allons encore voyager à travers Haïti, mais en lien avec le royaume Congo, parce qu'un jour, quand on partira, on reviendra. Quand je dis que l'amour guérit, j'envoie un SOS à son excellence, Monsieur le Président Sassou Nguesso. Et si ce n'est que de la soule, on se souviendra de mes 30 ans d'appel à l'aide. J'aimerais ramener un peu de France et de Brésil au pays. Le pays m'a dit, vas-y, ne reviens pas sans ton treillis. Paris, tu es belle, Tour Eiffel dans ma poche. Quand viens-tu avec moi que le bled se torche au ciel, pardonne-moi, tes couleurs sont des merveilles. Voyage, prends-moi, prends ma femme et mes enfants, prends mes oncles, mes proches, la famille et les parents. Braza, Braza, laisse-nous partir, car partir c'est sacré sous tes ailes piégées. Nos morts sont dépouillés. Je t'ai venu, je t'ai vu, tu m'as vaincu sans me faire la maille, Louis. Vite, vite dans mon sac, rentrons ensemble au bercail. Ici, tout est poussière. Ici, tout est misère. Moi, j'irai mieux lorsque je serai de l'autre côté de la mer. Alors comme toi, nous, vous tous, j'attends, on est nombreux à attendre. Notre chance s'étend des malheureux de la bande. Assis sur des bons publics, parfois debout à la place de la musique. Je rêve d'aller faire du jazz au state avec mes musiciens et mes phrasés de mécaniciens tous, l'allure des Haïtiens. Je suis un gosse du peuple qui attend la quête du car. On verra tous Joey à la télé interpréter Senghor avant de devenir un star sous les rouilles du bled. On mettra un peu du graffiti qu'à cela ne tienne. On s'aimera jusqu'à mes crédits. Et quand je le redis, quand je le chante à la télé, quand j'envoie une musique, quand la trompette devient triste, quand mon âme et mon esprit se font un, quand je dis que l'amour guérit, je continuerai à envoyer des SOS à son excellence, Monsieur le Président Sassou Nguesso. Et si ce n'est que de la soule, on se souviendra de mes 30 ans d'appel à l'aide. À l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide, Moukoko, à l'aide. Moukoko, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Le noble Congo, à l'aide. Le noble Congo, à l'aide. Haïti, à l'aide. Pierre Sylvie, à l'aide. Le noble Congo, à l'aide. Haïti, à l'aide. Pierre Sylvie, à l'aide.
Brazzaville, 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 Brazzaville à l'aide. Je suis parti pour voir des lendemains meilleurs. C'est à contre-cœur que je suis parti voir ailleurs. À contre-cœur que j'ai pris cet embarquement, ne sachant pas où va se faire le débarquement. Mais là-bas, j'ai croisé quelqu'un. C'est pour toi que je t'écris ce texte. Je t'écris ce texte pour nourrir notre amour. Je t'écris ce texte pour dire ce que mon cœur est ça. Tu sais, je m'accorde l'inspiration pour ce texte. J'ai peur que ces mots ne pèsent et ne deviennent que des prétextes. Je sais, écrire un poème sur toi, je ferai des tonnes. M'exprimer tout l'amour que j'ai, je ne peux pas, je sais que ça t'étonne. C'est pas ma faute, t'es tellement parfait, t'es tellement unique que juste ton nom me fait perdre mon éthique. J'avoue que lorsque je te vois de loin, je lève mon visage en hauteur. Je contemple l'horizon quand se heurte à mon nez ton odeur. Un mélange d'orchidées, de saphir et de fleurs neuves. J'aime quand tu t'approches, tu t'affirmes. T'es une œuvre, faite par Dieu car l'éclat de ta beauté comme le soleil qui brille dans mes yeux même pendant le sommeil. J'avoue que j'ai la chance à t'aimer, à contempler ce visage innocent comme celui d'un bébé. Alors toi, je veux faire de toi ma reine, ma fleur, mon océan. Faire le tour de mon ensemble d'Orient jusqu'en Occident. La flamme d'amour que j'ai pour toi brûle à 1000 degrés. Elle consume mes 400, sublime ma vue, parfois j'en suis hébété. À présent, je m'arrête. Je m'arrête. Et je m'arrête. Et je te chante. J'aimerais nous inviter le 25 mars au Centre culturel Zola pour suivre l'hommage à Zao. Merci à toute l'équipe, merci à Yaya Onka pour cette invitation, merci aux musiciens. Merci beaucoup. Smaket makedi bambile bayaya inanya mini menye
Bambile Bayaya. Mame, inania mini menye, Bambile Bayaya. Yosine nini, Bambile Bayaya. Yos makedi makedi, Bambile Bayaya. Inania mini menye, Bambile Bayaya. Ce sont là des pleurs d'un enfant dans un champ. Sa mère partit chercher du bois mort pour en faire un feu de camp. Tout seul dans son coin, un serpent arriva et chercha la vallée. Il cria de toutes ses forces, Mamie, Mamie, Inania mini menye, Bambile Bayaya. Yosine ni neni, Bambile Bayaya. Yos makedi makedi, Bambile Bayaya. Inania mini menye, Bambile Bayaya. Merci, c'était Fredo Le Busiquier. Je vous invite ce 25 mars au Centre culturel Zola. On va faire un hommage à Zao et ça va être énorme. Merci beaucoup Fredo Le Musiquier. Je pense que c'était un très très beau voyage. Un très beau voyage. Alors nous avons commencé ce spectacle télé avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour et nous sommes rentrés ensemble dans un train, même étant chez vous, nous sommes rentrés dans un train et ce train a commencé par trottiller tout doucement et on entendait le son, ce son qui berce et ce son qui éloigne et ce son qui rapproche. Et nous avons commencé par voir des oiseaux un peu partout, nous avons vu un avion, nous avons vu d'autres animaux et après nous avons vu une femme. Nous avons commencé avec un oiseau et nous allons continuer avec une femme qui fait les deux. Une femme qui réinvente le monde. Et cette femme, par ironie du sort, s'appelle Lapidor, un oiseau
en or. Toutes les façons, elles sont toutes des diamants. Alors, mesdames et messieurs, depuis chez vous, où que vous soyez, je vous rappelle, nous sommes à Brazzaville et je suis votre simple serviteur, humble serviteur, Yaya Onka, qui vous invite à voyager, à continuer le voyage avec nous à travers la voix de Lapidor, artiste congolaise, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Ce soir. Merci à vous, chers téléspectateurs, de là où vous nous suivez. Merci beaucoup. Voilà.
Braza, on t'aime. Braza, on t'aime. On t'aime tellement, on t'aime. Même au-delà, on continuera de t'aimer. Alors, les bonnes choses ont une fin. Je ne dis pas que c'est la fin, non. Mais je suis simplement en train de dire que je ne vais pas attendre la fin avant de dire merci à la Dire TV pour cette belle aubaine, pour cette plateforme qui permet aux artistes congolais de se produire, mais aussi qui me donne une voix, une image et des lunettes. Bon, ça fait partie de moi. Donc, merci à la Dire TV et je profite pour lancer vite fait, j'ouvre un appel à tous les artistes culturels, littéraires, à tous les hommes qui souhaitent passer sur cette scène pour chanter quelque chose, pour partager un moment avec nous ou avec le monde entier, parce que nous sommes suivis par le monde entier. N'hésitez pas, je pense qu'il y a un numéro qui s'affiche là sur votre écran. Prenez ce numéro-là, appelez-nous et on verra ensemble comment faire de votre rêve de la magie. Et sur ce, nous allons continuer justement à rêver, à voyager, à transpirer le monde et surtout à remercier Haïti pour ce combat qu'il mène à travers ses artistes, à travers sa politique, mais également surtout à travers sa force et à travers son vaudon. Et bien sûr, le vaudon, ça fait partie de nous et il faut aussi célébrer cette culture, ce culte. Alors, nous allons continuer. On va continuer à dire à Brazzaville qu'on l'aime tellement qu'on ne voudra pas la quitter un jour. Et c'est pour cela que je vous présente ce soir avec toute cette belle équipe qui est là, PIP. Pour mon fils, lui qui est né au pays, comme son père avant lui, Agnès veille sur lui. Si tu m'écoutes, mon fils, suis pas les traces du daron, triomphe champion avec le cœur du lion. Et moi je prie pour toi, mon prince, parfois j'écris pour toi des poèmes. Que tu vives à ton tour, comme un oiseau tu ailles partout. Un jour je rêve de ce pays, un autre je le maudis. J'ai peur pour l'héritage, qu'est-ce que tu diras à mon âge? De même pas là, pétrole s'en va, diamant plus là, pauvre soledad. Embrasse-les quand même, faut pas oublier qu'il t'aime. Si pays la va de l'avant, nuestra libertad. Pays, pays, qui mange sa jeunesse, petit, petit, qui vend ses richesses. Pays, pays, qui a fait la guerre, petit, petit, mais où sont nos pères? Pays, pays, qui mange sa jeunesse, petit, petit, qui vend ses richesses. Pays, pays, qui a fait la guerre, petit, petit, mais où sont nos pères? Yaouli, s'il vous plaît. Yaouli, le musicien par excellence. Celui que cette terre ne doit pas oublier, Monsieur Steve! Monsieur Steve, l'Haïtien! Mon enfance scandalisée de ma rencontre avec Marley, de mon héritage en piété. Petit petit s'exprime, cette dalle de tout changer, mais minuit insomniaque en
plus le feu. Nérastenique empêtré à contre-goutte sous les ourlets de ton fleuve à deux roues. Petit vélo sans pédale s'éloigne de toi, de tes larmes, bien ton crame avant que ne trépasse le macadam. À tour de rôle, c'est drôle. Ma foi a remplacé mes jambes, au plus loin se couchent mes rêves. Mon battement de l'eau courante dans mon petit cahier de blédard, ton embouchure, j'ai noté ton premier nom en premier, survolant le Mayombo crépuscule. Pessimiste, ça peut être bien que ces dirigeants truands nous rendent ce qui nous revient. Je n'arrive plus à me rassasier avec des savalés. Dans nos robinets de l'eau potable, je l'exige, m'exile pas d'avoir rêvé de stabilité sur ton sol, fragilisé par ton sous-sol. Dieu m'a donné un corps, c'est une boussole. Je veux qu'il aille à l'école, mon cher, loin de tes pick-up de luxe, ton alcool moins cher, je veux qu'il vote son président lorsqu'on entreprend, qu'il soit présent, qu'il médite, qu'il vive libre, qu'aucun régime, qu'un énigme. Ne lui dicte ses limites, 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 ne lui dicte ses limites. Pays, pays, qui ment sa jeunesse, petit, petit, qui vend ses richesses, pays, pays, qui a fait la guerre, petit, petit, mais où sont nos pères, pays, pays. Qui vend sa jeunesse, petit petit, qui vend ses richesses, pays pays, qui a fait la guerre, petit petit, mais où sont nos pères? Messieurs, mesdames, merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez passé un très bon moment. Retrouvez-nous tous les samedis sur la Dire TV en soirée, pour accompagner votre sommeil jusqu'au réveil. Merci aux amis artistes, merci à la Dire TV, et on espère que prochainement, vous serez nombreux à être des nôtres, et surtout, n'hésitez pas à nous appeler sur le numéro qui est affiché. On a besoin de vous, des partenaires, des musiciens, des Africains, des Haïtiens, des Américains, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Merci. Merci à cette équipe. Merci à ces défenseurs de taille. Merci à Steve, s'il vous plaît. Steve, s'il vous plaît. Steve est avec nous. Merci. Merci. Alors, à côté, on a Maestro. Monsieur Bourdon, s'il vous plaît. Bourdon. L'homme qui n'est plus à présenter. Et juste à côté, nous avons le jeune frère, mais vieux. L'homme avec sa casquette. Est-ce qu'on te voit? Enlève ta casquette. Non, tu peux pas enlever ta casquette. Non, enlève. Non, garde. Non, enlève. Ok, alors nous vous présentons du cœur, s'il vous plaît. Du cœur pour cette soirée. Du cœur, notre batteur de taille. Et pour finir... Aïe, c'est chaud. On a Fali Poupou avec nous, on savait pas. On vient de se rendre compte. Comment on a fait? Alors, monsieur Fali... Fali Titi. Alors, monsieur Titi, s'il vous plaît. Écoutez comment il graisse la guitare. Écoutez. Merci Titi, merci, et pour clore tout, ce que le blanc appelle cerise sur gâteau, nous avons à côté une demoiselle, ou madame, il faut respecter, madame Lapidor. Et aussi, n'oublions pas que nous avons un grand homme, un slammer, un écrivain, un voyageur. Yaya Ankar. Merci. Merci à la technique, à toute l'équipe qui nous accompagne, merci. Ils sont là depuis 6 heures en train de travailler pour cette émission. Merci, et je vous rappelle que nous sommes en direct de la Dire TV. C'est parti pour tous les samedis en soirée. Merci, Matondo.